Zami, fami James Studio, yo, kote nou avanse, fon tichita, paske la gen pil koze nan aktualite ya pou nan la gen nan mer. E men nou konen genyen gouvernement kanadyen ki ap sanksyone an pil otorite la ak om dafè nan vil Haiti an seri. Donk, jodi lundi 50 décembre nan, gouvernement kanadyen la gen 4e épisode ki gen nan seri sa. Nan 4e épisode sa, gen 3 om dafè, 3 gro om dafè pwisan, gro togo, gro palto, gro chabrak, nan peyi a ki tombe tou an ba sanksyon peyi Kanada. Eh ben, nan yo se, Gilbert Bidio, Reynold Deep, Sheriff Abdallah. Gilbert Bidio, Reynold Deep, Sheriff Abdallah. Senon, toi ou homme d'affaires sa yo nan pays d'Haïti ki tombe tout ki nan lis moun ki an ba sanction gouvernement canadien. Selon autorité canadien yo, toi gros palto sa yo an ba sanction, c'est parce que yo kembe yo comme moun ki nan blanchiment l'argent, ki nan financement gang armé dans pays d'Haïti et puis tout ki nan corruption. Pas problème nous, autorité canadien prend sanction sa yo. C'est toujours dans le cadre de résolution que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté ou bien adopté pour sanctionner tout bandit et tout le monde, gros palto, autorité, homme d'affaires, qui prend plaisir dans financer groupe gang dans le pays d'Haïti, dans financer bandit dans le pays d'Haïti. Et bien là, Gilbert Bidio, Reynold Deep, Sheriff Abdallah tombe tout en bas section comme moun ki ota joine ki nan finance bandi nan peyi a. Et en plus de ça, yo di tout nek sa yo nan blanchiment l'argent, yo nan corruption. Go koze. Donc awe la, autorité canadien yo ap lage sanction yo en série, lage yo épisode après épisode. Pa pou rappele nou nan premier épisode ki te commencé ak série a. Autorité canadienne ont été sanctionné en coordination avec autorité américaine yo et ancien sénateur Yula Tortu et président du Sénat sénateur Joseph Lambert. Dans le deuxième épisode là, ils ont été sanctionnés pour Kotyo, pays Canada sanctionné pour Kotyo sans les États-Unis. Ancien président chambre des députés yo, député Gary Bodo, ancien sénateur Hervé Foucan et sénateur Ronnie Celestin. Dans le troisième épisode, là, yo sanctionné pour Kotyo tout. Ancien président Michel Joseph Matéli, ancien PM Laurent Lamotte sous Matéli, et ancien PM Jean-Henri Séan sous Matéli. Et Jean Doulala, dans ce qui a à peine tombé jeudi, lundi 5 décembre, quatrième épisode, là, il y a homme d'affaires seulement. Qui c'est? Gilbert Bidio, Reynold Deep, Sheriff Abdallah. En tout cas, m'a rappelé nous comme ça mieux gain deux gros palto là pays Canada mettait en bas sanction que pays États-Unis tout mettait en bas sanction après qui c'est ancien sénateur Hervé Foucan et sénateur Ronnie Celestin. Gagné département réseau américain qui confirmé que deux nexayo yo nan trafic drogue. Yo nan blanchiment l'argent. Yo nan finance gang armé nan pays d'Haïti. Donc, Américain mete yo tout en bas sanction. Mais, gen pil moun kapten, ki sa pral di, ki sa Américain pral di, concernant ka Michel Matéli, ancien président Matéli, ki en bas sanction, autorité canadienne yo tout. Et ben nan ka sa, genye journal Miami Herald, ki fè konnen raison ki ta cause. Que autorité américaine yo pa prend sanction contre Michel Matéli ak l'autre moun toujours qui en bas sanction Canada et parce que moun sa yo ta citoyen américain ou bien yo ta gon papier qui empêche américain prend sanction contre yo ou bien tout yo ka gen résidence. Tade bien raison la qui ta cause que pays États-Unis pourquoi j'aime prendre sanction contre ancien président Michel Matéli avec l'autre monde toujours qui en bas sanction pays Canada quelque temps là et parce que l'état yon citoyen américain ou bien la résidence ou bien n'importe l'autre papier qui t'a empêché ça
Pas lié. Question citoyen américain, ça parle déjà. Pas oublier question citizen, ça parle déjà. Question double nationalité, ça parle déjà depuis le président Matéli était dans la campagne pour président. Et bien, là, ça, t'es gagné Kenneth Merton à l'époque. C'était ambassadeur américain en Haïti qui te dit Matéli c'est un citoyen haïtien. Eh bien, pas oublier Kenneth Merton c'est diplomate. Eh bien, l'index va parler, il parle en diplomate. Il pas pas menti, mais tout il pas bon vérité à jongler là. Donc clairement ambassadeur à l'époque Kenneth Merton te dit Matéli c'est un citoyen haïtien. Mais elle n'a pas dit, Matéli, pas un citoyen américain. Elle a le bonheur. Elle a le bonheur. Elle a le bonheur. Oui, elle te dit, Matéli, c'est un citoyen haïtien. Mais elle n'a pas jamais te dit, Matéli, pas un citoyen américain. Elle n'a pas jamais te démenti. Elle a le bonheur. Ni yo, ni Matéli, te bonheur. Nous te prenons un complot diplomatique. Mais là, il a, nous prenons le voyage. Il a en retour, nous prenons le prendre, monsieur lui-même, avec sanction, Canada met $10. Et là, nous prenons le vérité à Frère Semio. Eh bien, selon le journal Miami Herald, raison qui fait autorité américaine, nous ne prenons pas sanction contre Matéli, et parce qu'il n'est pas capable. Matéli, c'est un citoyen américain, ou bien qui a une résidence, et pas oublié. Madame Michelle Matéli, Sophia Matéli, c'est un citoyenne américaine. Américain contre tout déjà. Américain contre tout bagage déjà. Département d'État, département de réseau, américain contre tout bagage déjà de Matéli, de tout l'autre monde là qui en bas sanction, contre tout déjà. Seulement, il y a un empêchement, ou bien, il y a pas voulu, ou bien pas couvrir. Nous comprenons. Il y a intérêt. Bah, c'est intérêt. C'est deal. C'est intérêt pour intérêt. En tout cas, là, je pense que nous comprenons. Matéli lui-même, non? Quelque chose de grave parce que c'est pas visa que tu as gagné, tu as gagné résidence ou bien les citizens. Donc, les gens ne peuvent pas prendre le dépôt, ils ne peuvent pas sanctionner de façon pour dire qu'il a coupé visa, il n'a pas gagné visa. Et là, ça a gagné l'autre mesure pour aller prendre compte, l'autre sanction pour aller prendre compte, qui est plus grave toujours. Ça a gagné là. Donc, qui est causé comme ça, on n'a pas eu le site. Prochaine jour là, gagné quatrième épisode dans la série Sanctions Canada qui sorti jeudi à la dans le gagné trois hommes d'affaires qui en bas sanctions Gilbert Bidio, Reynold Deep et Sherif Abdal. Avant de avancer, on garde une belle photo ça de ancien sénateur noir Moïse Jean-Charles, regardez j'aime c'est bien Broder, Jean Flander. Ah ouais, elle bon dit le bon. Sénateur Afri là, cela qui en style africain, ca ça dans pile, c'est bien pile bien posé, mon cher. Et voilà, pour vous dire, bon, et nous, quand ouais, même si le sénateur a senti l'autre gens, il senti le frère, il pose, il relax. Là, il passe, oui. Il passe, là, dans la manifestation, il ne prend pas de gaz. Là, il ne prend pas de gaz, nous partageons. Il n'a pas de misère, mais là, tout, il est frère, il ne partage pas. Regardez, ancien sénateur, nous, en tout cas. Bravo, ancien sénateur Moïse. Notre dossier, on a l'insécurité en Haïti là. Nous connaissons, je passe là, Frère Semio, gagné un gros massacre qui fait dans ce matin là. Côté bandit titanien envahi moun dans ce matin là, cabaret. Yo fait plus que 20 morts, plus que 15 cailles boulées, à ta moun tout vivant en dedans yo. Et bien après massacre si là, gagné la police en plusieurs unités dans le PLH là qui était débarqué et aillé là dans ce matin là pour mener bon gens opération pour couper bandit. Pour déchouquer bandit dans le cabaret titanien qui te cause massacre si là. Donc, à ouais, image yo, bon, pas gen gros bilan toujours, mais selon premier élément formation bilan, yo a fait connaître que gagne bandit qui mouri, gagne qui blessé, mais malheureusement, on pas dit combien qui mouri ni combien qui blessé. En tout cas, n'après te branché n'importe détail, t'as pas gagné en plus, hein, sous quatre opérations, ça, que la police mené. Non, ce matin là, nous content pour tel pour nous dans James Studio. Nous avons souhaité yo gagner et c'est vraiment dit yo plein onda yo en bas cartouche. Nous quand nous te voyons photo Jeff T jeune élément ça qui compte fait quête pour pas moun la fito yo manger après bandit te courir derrière dans la fito.
Eh bien, Jeff Tessa, nek titanyen bandi sans salsa yo, te pran monsieur, yo, marel, demel, marel de piel, metel chita son kaoutchou, et puis boule le tout vivant. Mais là, faut que la police, la popo sans pitié pour bandi sa yo tout. Notez sur James Studio, pas oublier, commentez, likez, abonnez, partagez la vidéo ça. Bel bonjour, bonsoir tout.